Salut salut les amis, c'est Fit for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe, DCE live, avec début. Ce DCE là coûte pas trop cher honnêtement, il fallait juste un joueur de la Ligue des Champions, c'est lui qui coûte le plus cher. Enfin non, peut-être parce que du coup, lui, le MJ coûtait plus cher que l'autre, mais bon. Passons. Il fallait 3 nationalités minimum. Joueur d'un club maximum 1, apparemment ils ont kiffé cette petite propriété, cette petite contrainte dans le DCE de grosses affiches, parce que franchement joueur d'un même club maximum 1, c'est franchement il y a des fois c'est casse-couille. Mais bon, on s'est démerdé. Heureusement il fallait qu'un collectif à 75, il fallait que des joueurs or. Vous voyez, j'ai un MDC en DC, j'ai un BU en DC, j'ai un MG en DG. Donc là aussi, on est large, je suis parti sur le championnat mexicain, comme vous pouvez le voir. Et vous mettez le joueur de la Ligue des Champions, ben là où vous voulez, en fait. Allez, on commence avec Rodolfo Cota, Percy Tau, José Juan Vázquez, Emmanuel Gigliotti, Ricardo Centurion, Jorge Hernández, Celso Ortiz, Elias Hernández, Fabian Castillo, Eduardo Vargas, et on termine avec Nicolas Castillo. On soumet l'équipe, c'est un pack joueur premium or, on va aller voir ce qu'on choque. Dans la vidéo précédente, j'ai chopé Tolisso en route vers la Ligue des Champions. Comme ça au moins, ça c'est cool. J'ai vendu 70 000, c'était le max, il est parti direct. Et là, on a de la merde, on a Iago Falqué. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai pas dit, elle coûte environ 5000 crédits. 5000 crédits à passer. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et rendez-vous dans le live ce soir, 21h. Ciao, à très vite. Merci.